La doyenne de la résidence chez Nat à Sébec, ainsi que de la municipalité, Mme Irène Fortin, célébrera ses 100 ans le 27 mai prochain. Pour l'occasion, le maire de la municipalité, Marcel Belzile, tenait à souligner cet anniversaire et j'ai également eu la chance de m'entretenir avec la fêtée. Alors, Mme Fortin, trêve de ce que j'étais en train de vous mentionner là, on veut tout simplement vous dire, et ça, je tiens à préciser que cette plaque-là, elle vous est donnée, c'est bien marqué ici, 100e anniversaire, hein, c'est quelque chose, oui, c'est en or, hein, c'est de l'or en plus. Alors, c'est Nathalie avec son organisation qui vous donne cette plaque-là. Nous, la municipalité, on vous donne un petit certificat, puis en même temps, avec une gerbe de fleurs. Mais là, Nathalie, elle m'a demandé, ayant trop d'émotions, elle m'a dit, Monsieur le maire, s'il vous plaît, faites la lecture. Alors, ça dit simplement ceci, mais ça dit bien. En toute simplicité, Mme Irène Fortin est une femme forte, positive, coquette, comique, de tempérance, dont l'accomplissement atteint la plénitude. C'est avec fierté que nous vous offrons cette plaque commémorative à titre de douanière, hein, c'est comme ça qu'on appelle les cent ans, de la municipalité de Sébec et de la résidence chez Nat pour votre 100e anniversaire. Alors, c'est à vous. Je vous remercie. Vous installerez beaucoup. Ça. Il y a un beau crochet ici en arrière. On va maintenant la montrer. Oui. Alors, on vous la donne avec un immense plaisir. Permettez-moi de vous donner la main, chère madame. Alors, gardez-la sur vous, puis là, on vous donne maintenant un petit certificat ici. Ça vient dire simplement... Ce certificat est décerné à Mme Irène Fortin pour son 100e anniversaire. Sincère félicitations de la municipalité de Sébec. Puis ça, c'est le maire qui est signé en bas, le vieux bonhomme qui est ici. Elle m'a demandé votre nom tantôt. Merci beaucoup. Puis là, on complète. Vous m'avez surpris. On complète avec une belle gerbe de fleurs, Mme Fortin. On vous remet avec un immense plaisir. Alors, je suis maintenant en compagnie de la centenaire Irène Fortin. Bonjour, Mme Fortin. Bonjour, monsieur. Donc, vous allez célébrer vos 100 ans. Comment on se sent quand on est devenu centenaire? On se sent vieille. Mais en réalité, j'ai eu une bonne santé. Vous avez une bonne santé? Oui. J'ai eu des bobos, mais ça, tout le monde en a. Parce que là, vous êtes encore en forme. Oui. Et là, aujourd'hui, à la résidence que vous vivez, on vous a réservé une belle surprise pour vos 100 ans. Comment vous réagissez à tout ça? J'ai resté surpris, puis j'aurais aimé mieux savoir, par exemple. Ça vous a pris de court un peu? Pareil, oui. Mais je me serais préparée. J'étais après faire du... T'as pas fait le malade. M'avait surpris. Mais c'est une belle surprise. Ah, c'est une belle surprise. Oui. Elle a du fun avec ça. La propriétaire? Ben oui. Je ne m'en souviens plus. Nathalie. Ça fait 16 ans. 16 ans. Ça fait 16 ans que vous êtes ici. Oui. Bien, j'ai tombé avec une marchette. Je marche pas sur mes deux pieds. Ça me prend une marchette. Ça fait que c'est pour ça que... Et quand on est rendu à 100 ans comme ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Pardon? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Bien, pas de vivre 100 ans encore, par exemple. C'est trop. Ça serait trop, là. Non, ben, je dis la santé, non. On peut avoir des petits bobos, mais être capable encore de rencontrer le monde puis de parler. D'avoir encore de l'énergie pour jaser, pour avoir du plaisir, puis fêter comme vous allez faire aujourd'hui. Oui. Bon, ben je vais vous laisser aller fêter. C'est une surprise, par exemple. Oui. Mais ça ne va pas. C'est une belle surprise. Une belle surprise. Ouais. Ah, une belle surprise, oui. Ben je vais vous laisser fêter avec vos amis, puis je vais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, monsieur.